Salam, je suis Sarah de la Team Muse et aujourd'hui, je vais te présenter l'application. Alors Muse, c'est quoi? Muse, c'est une application de rencontre dédiée aux musulmans. Nous sommes la première application de rencontre et de mariage avec plus de 6 millions de musulmans célibataires à la recherche de l'amour, tout en respectant la religion. Nous ne sommes pas comme les autres applications de rencontre. Nous avons créé Muse pour aider les musulmans célibataires à trouver leur partenaire musulman idéal tout en respectant leurs croyances religieuses. Dites adieu aux CV ennuyeux et aux temps relous. Nous réunissons chaque jour plus de 500 couples musulmans et célébrons plus de 300 000 mariages dans le monde. Es-tu le ou la prochaine? Télécharge l'application et commence à rencontrer des musulmans célibataires dès aujourd'hui. Tu peux voir les profils, matcher et discuter gratuitement directement sur Muse. Ce qui est cool, c'est que tu peux décider de qui tu peux appeler et tu n'as pas besoin de partager ton numéro de téléphone. Maintenant, je vais vous présenter toutes nos nouvelles fonctionnalités. Commençons avec les filtres bonus. Tu peux montrer ta personnalité et te démarquer de la foule en ajoutant des intros vocales et des vidéos à ton profil. Chez Muse, nous avons pensé à tout. Garde tes photos cachées et utilise un surnom si tu le souhaites pour rester anonyme par rapport à tes amis et ta famille. Pas de panique, avec tous les profils vérifiés par la vérification par selfie. De la confirmation par SMS et des vérifications de localisation, tu es en sécurité. La religion a une grande place dans notre vie. C'est pourquoi tu peux filtrer les musulmans de ta région par branche, par secteur, par ethnie et bien plus encore. Tu peux même inclure un chaperon, appeler Wally, dans tes conversations pour plus de tranquillité d'esprit. Il faut savoir que chez Muse, un bon comportement est récompensé. Les hommes et les femmes gagnent des badges de profil pour les commentaires positifs qu'ils reçoivent. Parlons maintenant du mode partage de profil. Nous vous avons entendu. Récemment, nous avons lancé les profilings et vos retours ont été incroyables. Vous êtes des milliers à partager votre profil avec vos amis et votre famille chaque jour. Fun fact, les femmes partagent deux fois plus de profils que les hommes. Nous avons conçu les profilings dans le respect de la vie privée, mais nous avons reçu des commentaires indiquant que vous souhaitiez davantage de contrôle. Ne t'inquiète pas, nous t'avons compris. Désormais, tu peux activer ou désactiver le partage de profil d'un simple clic. Il te suffit de te rendre dans « Modifier le profil » puis « Partage de profil ». N'oublie pas, seuls les membres de Muse peuvent voir ton profil complet. Tu as des photos floues, elles resteront floues. Tu as bloqué quelqu'un, il restera bloqué. À quoi ça sert vraiment ? Tu n'es pas sûr d'un garçon? Obtiens un deuxième avis et envoie son profil à ton groupe d'amis. Tu as trouvé un homme qui serait parfait pour ton ami? Partage son profil et joue les cupidons. Et pour finir, le mode voyage. Découvre notre toute dernière nouveauté pour les membres Gold. Tu peux désormais utiliser le mode voyage pour te localiser n'importe où dans le monde. Il suffit de choisir un lieu et d'être vu par de nouveaux partenaires potentiels. Les membres de l'endroit choisi sauront que tu es en mode voyage et connaîtront ton emplacement réel. Lorsque tu es en mode voyage, ton profil ne sera pas affiché aux membres de ta localisation actuelle. Il est temps de te mettre sur la carte et d'être vu là où tu veux être vu. Alors télécharge Muse dès aujourd'hui.